Et salut YouTube! On continue le chapitre 11 de Honkai Impact et il faut se dépêcher puisque je suis bientôt capé. Dans 3 minutes, vite, 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 on se dépêche. Donc, la dernière fois, ils vont peut-être nous faire un... Ah oui, on avait terminé l'arc de la neige où on était en train de pleurer Otto et on est toujours dans cette dimension avec Bronia. Donc il va falloir que je déploie une Bronia, que je fasse des dégâts et recevoir pas beaucoup de coups. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que j'ai tout ça. J'ai même pas changé l'équipement de mes personnages. Ah, attendez, attendez. Ah, bon. J'ai pas changé mes personnages, j'aurais bien voulu jouer autre chose. Allez, mettez-moi la cinématique. Ah oui, YouTube, si vous vous posez la question, mais pourquoi il y a un compteur au-dessus, c'est pour une OP, faites pas gaffe à ça. Le monde a été rectifié. Bronia regarda autour d'elle. Le journal lumineux qu'elle tenait sembla la rassurer un instant. J'ai giga galéré dans les niveaux annexes. Ça ne marchera pas, Klein. Puisqu'en fait, cette vidéo sortira bien après la fin de l'OP, donc il s'en fiche. そうだ、ブローニャ。君が今いる迷宮のことだ。ベルトの肉体は消えてなくなったけど、その存在は漁師の海で迷宮になった君が、ここで見た全てのものは、彼の過去であり、彼の迷いであり、そして Ok, montre-moi ça. Ça me perturbe. Scellé. Allez, c'est parti! Ok, on a fait assez de dégâts pour terminer cette mission. Après, c'est juste ne pas prendre trop de dégâts. Bon, c'est parfait. J'ai un petit peu moins... J'ai plus trop l'habitude de jouer... scellé. En fait, maintenant, j'arrête pas de jouer par Ophélix. Donc je me souviens plus quand je peux faire des attaques chargées avec elle, mais je crois que c'est deux attaques normales et une attaque chargée. L'enchaînement. Voilà. Parfait. Le téléporteur, il est là. Dépêchez-vous! Enfin, plutôt, c'est moi qui dois me dépêcher, puisque sinon je vais caper. Je vais caper en endurance. J'ai absolument pas envie que ça arrive. Ouais, mets-moi le gros ennemi. Le gros ennemi! Oh là là, par contre, quand on balance l'ulti, c'est terminé. C'est terminé, ils ne peuvent plus rien faire. Imagine caper sur Honkai Star Rail. Oh punaise, t'imagines si ça arrive? Bon, après, ce sera en bêta. C'est le monde final. Ok. Ok. Le noyau de raison. リツちゃんのコアにあまり長く接触してはいけない。わかりました。約束して、ブローニャ。これから何を見ても絶対にヘビをここから出さないと。わ、ce serait dommage。世界を脅かすヘビは、ブローニャは絶対にベルトの位置を裏切りません。Merci pour le nouveau joueur qui a téléchargé le jeu. Bien. C'est parti. Allez, dépense mes 10 endurance. C'est parfait. Ah oui, ça veut me faire quitter direct. Pourquoi pas, hein.
Oh, attendez, on peut avoir une amélioration. Attendez, non, c'est plus une nouvelle Valkyrie qu'ils nous ont donné là. Valkyrie? Ah non, on a Kiana. Nyan nyan. On a Kiana. Bon, par contre, les invoques, on va pas les faire. Hein. Allez vous faire voir. C'est beaucoup trop. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, pas le monde 2. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je veux l'histoire. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Déployez Kiana ou Kalen. Bronya et recevez moins de 40 coups. Kiana. Ouais, j'ai que Kiana. C'est parti, hein. Oh, du coup, on va peut-être voir Kiana. Ouais, tu reviens pile pour l'histoire. Des bruits résonnaient dans la pénombre. L'hurlement du vent, des explosions, des cris et le rugissement de monstres. Oh, c'est les... Quelqu'un n'arrêtait pas de crier le nom de Bronya, mais cette voix fut rapidement submergée par la cacophonie ambiante. C'était une funèbre symphonie menée par l'orchestre de la destruction ricochant sur cette terre désolée et ravagée. Idiotka sur les bancs. Idiotka, ça vient de quoi Idiotka? Puisque à la base je pensais que c'était juste une... c'était juste un jeu de mots avec Rosalia. Pourquoi Idiotka? Puisque c'est Rosa Idiotka. Pas juste russe? Contre la hercheur du nom. Ah, c'est juste parce que c'est du russe? Ça fait sens, puisque Rosalia et Lilia viennent aussi de la toundra. De la Sibérie plutôt. Avec Bronya. Scellé. Ok, ok! Oh, ouais, Kiana. Ouais, Kiana. Bon, on va prendre Scellé, hein. Kiana, il faudra peut-être que je change ses armes. C'est une punchline de l'orphelinat de Kokoya. Ok, donc du coup, ça ne ferait pas de sens que... Ça ne ferait pas de sens que Kiana dise ça. Ouais, ils sont du même orphelinat, ouais. Ça va, ça j'avais retenu. Ça fait beaucoup là! Bon, après, est-ce que je les défonce pas un petit peu? Bah, je pense que si! Ok, terminé. Ah, pour se moquer d'elle, d'accord. Que s'est-il passé? Toutes les bêtes en caille ont été détruites. Mais parce que je suis très fort, tu vois. Des moteurs rugirent soudain au-dessus des Valkyries. Des dizaines de mechas lourds furent alors déployés d'une navette. Les mechas atterrirent en trompe et parmi eux, un homme descendait lentement, flottant au-dessus de la neige. Un homme? Sur Ankai? Velt? Les moteurs de la navette rugirent de nouveau. Velt et ses mechas prirent alors la direction de la toundra. Super chef d'Antientropie.
あれほどの崩壊獣を倒すんだもん。でも第一律者は数十年前に主教様に倒されたって聞いたけど、彼って偽物じゃないよね。詳細に関しては私もよく知らない。Je commence à être un petit peu perdu là. 彼がネゲントロピーを作って律者である自分が人類のために戦うと宣言したこと。ただ今まで一緒に戦ってきてネゲントロピーの他の幹部には会ったことがないわ。操縦士もコックピットから出るつもりがないみたいだし、うん、怪しいわ。方向を私たちに向けたりしないよね。人類のために戦う律者なんて信じられないよ。そう言わないでキアナちゃん。さっきこの違和感は何でしょうか。ブロニお姉ちゃん、この世界は少し変わってると思う。聖フレイヤ学園とも個人とも違う。この世界は危ない。怖がらないでください。ゼーレン、ブローニャがゼーレンを守ります。おしゃべりはここまでにして前に進みましょう。Ok, bon. Après, je pense que c'est fait exprès pour que ce soit confus dans nos hautes têtes. Mais. Oh, le gros dragon. La chair du néant est en train de perdre la guerre. Oh, salut toi! Hatsaka! Ouais, super! Ah, merci de t'être mis devant moi. Non, pas ça, pas ça. Voilà. Scellé! Je lis pas le manga, donc contente-toi du jeu. Mais bien sûr que je vais me contenter du jeu. Que voulez-vous? Moi, je ne sais pas lire. Donc, moi je profite juste des images qui bougent là. Nice! Contente-toi de la bêta, ouais, je vais me contenter de la bêta de Star Rail là. Je ne sais plus ce que j'allais dire d'ailleurs avant. Sora no Litsha tomo arou mono ga ningen ni koko made oitsumerareru wa. Daga sore wa dou demo ii. Sono chikara ore ga tsukawasete morau. J'ai cru qu'ils avaient osé nous faire un pantyshot. Un panty shot de la Hersher, mais non, je crois que c'est autre chose, c'est un autre bout de tissu de sa tenue. Mais bon, après, si c'était vraiment un panty shot, ouais, ça m'étonnerait pas de Yoverse. Bon, par contre, j'aimerais bien enchaîner toutes les quêtes là, pourquoi à chaque fois ils me font ressortir? Bon, en même temps, j'ai pas envie de jouer Kena, mais... Kiana, Kellen, Bronya. Bon bah on va être obligé de rester sur ça. Let's go. Cyrine a 13 ans, c'est moyen. Je me doute bien. Mais je ne pense pas que ça les arrêterait. On voit bien celle de Bronya H24 quand on la joue. Ouais, il va falloir que je tape. Mais je veux pas taper Velt le bro. Velt le bro. Mieux vaut faire des panty shots sur Honkai? Non, jamais! Jamais! Ah, il faut que je fasse quoi? Recevoir le moins de coups possible. Ah, j'aime bien quand ils me mettent ce genre de mission. Très très bien.
Non. Ok, on continue d'esquiver en masse. Et ça ne tient plus. Ils ne tiennent plus. Belt. Ok, on lui a bien bouffé ses points de vie à lui là. Bon, Velt, tu vas devoir nous taper toi-même puisque t'es robot. Éclataxe! Éclataxe! Voilà. Nous le laisse au carapi, on s'en fiche. Ah, mince. Donc. Boum. Une terrible déflagration désintégra sur le champ la Valkyrie aux cheveux noirs avant même qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, quoi. Il ne restait rien d'elle, à part un petit cratère fumant. Puis quelque chose émergea de la fumée. C'était un mecha à la lueur terne et violacée. Froid et robuste, tel une immense pierre tombale de fer, annonçant l'inévitable fin des Valkyries. Ok. Bah, bien joué, Bronya, de rester sereine dans ce genre de situation. Bah, j'ai fait quelque chose de... Oh, attendez, on a des trucs pour améliorer nos Valkyries. Au moins, les améliorations de Valkyries, ça va vite. J'ai un nouveau personnage. Ah, j'ai Raiden Mail. Let's go! Manifeste. Attendez, on va ouvrir ça. Oui, après, Bronya, elle s'en fout totalement. Elle a raison. Elle sait que ce n'est pas une vraie. Célérité d'ombre, nice. Mais ça me met que des personnages que je n'utilise pas actuellement. Mettez-moi juste scellé. Pas elle. Pas la Bronya naze. Non, c'est ça que je voulais faire, histoire. Punaise, on n'est pas encore au bout du chemin. Oh là là, il reste encore trop de choses avant de terminer. Mais bon, c'est peu importe. On y va. On continue. Dans ce chapitre, hormis un peu de fraga, car selon les résolutions, il n'y en a qu'un qui est remonté. Grésillement. どうして第一律者が人類の敵に。どうして？聞くまでもな、律者だからよ。あいつの魂はとっくに崩壊に飲み込まれてたの。あの顔は人類を騙すための道具なのよ。あいつがメイ先輩を殺した。メイ先輩。メイ姉様。違う。何かが違います。ベルトもキアナもらしくありません。この世界は危険なだけではなく、無秩序と混乱で見つプローニャお姉ちゃん。セレサシー dans un coin, du sang couler le long de son bras, depuis la blessure qu'elle avait à l'épaule. 大丈夫です、ゼーレ。ブローニャはかすり傷しか負っていません。手当てすれば大丈夫です。あの人、死んじゃった。Bronya prit la jeune fille tremblante dans ses bras pour la consoler. Des explosions illuminaient les cieux alors que les corps gisaient encore au sol. Gisaient. Le champ de bataille était trop intense pour Célé. Elle était à présent toujours une petite fille timide, celle qui se cachait dans le coffre à jouets quand elle avait peur. Mais elle faisait de son mieux pour rester forte et ne pas laisser tomber Bronya.
ゼーレをここから出してあげます。あなたを連れて現実に戻り、一緒に学園に通って、遊園地に行って、海に行って、ブローニャはゼーレとの約束を守ります。ブローニャお姉ちゃん、ありがとう。あれ、急に静かになったね。キアナ。ブローニャ analysa les alentours. Les deux filles restaient seules dans la pièce. 何かがおかしいです。ゼーレ、ブローニャから離れないでくだ。うん、ブローニャお姉ちゃん。Je sens qu'avant la fin de ce chapitre, on va avoir un sacré bordel avec cette scellée avec les yeux rouges. Kiana ? Kiana, où es-tu ? Kiana ? Ok. Oula. Ouais, bon, les autres... Par contre, il n'y a plus aucune musique. Bon, ça a l'air d'être normal. Oh mais merci, c'est une mission où il n'y a rien à faire, juste taper, sus. Ouais, un petit peu sus, ici, notre très cher scellé. Mais je suis impatient d'arriver à la fin, puisque bon, on me hype encore une fois. En fait, chaque fois qu'on arrive sur une grosse cinématique, on me hype en mode, oh, tu vas voir, il va y avoir quelque chose. Donc, je suis impatient de voir ce que ça, si va vraiment se passer. J'ai une petite idée, mais il y a d'autres éléments dans l'histoire qui me laisse penser qu'il y aura d'autres choses que auxquelles je ne m'attends pas qui vont arriver aussi. Par contre, pas de musique, c'est quand même triste. Hein. Ouais, mettez les emotes hype pour compenser le manque de musique. C'est parfait. Mais mettez un petit peu de musique, non? Ah, voilà! Il suffisait de demander. Il suffisait de demander au jeu pour avoir une petite musique bien sympathique. Gungnir Fire! Elle fait zéro dégâts. Hey, ne te protège pas comme ça là. Le 25? Le 25 comme le 25 mai, le jour du début de la bêta de Honkai Star Rail. Bon, ce sera le 25 sera déjà passé pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, hein, forcément. Bon, hey, s'il te plaît, bro, meurs. Wait, encore des ennemis. Je pensais que c'était la fin. Voilà. Ça va, Hydroflow? Ah. On y a cherché scellé du regard alors qu'elle affrontait les mechas, mais une douleur aiguë la frappa subitement au sol. Des veines pourpres rougeoyantes s'étendirent alors le long de ses bras, s'épanouissant sans fin sur son corps à la manière de ronces sauvages. Bien que privée de ses centres émotifs, Bronia pouvait malgré tout sentir son cœur s'emballer. Une affliction pire que la mort la saisit de tout son être. Oh, bordel! Ah, les objets qui sont arrivés à moi! Et qui me font un screamer! Laissez-moi speedrun! Écho d'amitié, on a un nouveau personnage dans notre équipe! Parfait. Déployez une Bronia et faites 8000 de dégâts, on continue! Ah, mais c'est sa version Archer! Attendez! C'était une version Archer, ça? Ou c'était juste une version « Oh, je suis pas sympa ». Je me souviens absolument plus. Juste version sombre. Ok. Scellé, où es-tu, Scellé? Ah, c'est juste la version contrôlée par Cocolia.
ゼーレというのは誰だか知らないが、それはどうでもいい。前線のバルキリーといい、後方の支援部隊といい、すべて死んでいった。俺が天命を破滅させた。あなたが彼女たちを。ゼーレ。君の目から驚き、悲しみ、そして憎しみが感じ取れる。はあ、君にとって彼女は大事な人なんだね。憎しみ、迷い、絶望、それらは全てを支える柱となり、最も純粋で。Oui, je me doute bien, mais genre, les herscheurs, c'est aussi exceptionnel qu'un archon. Mais il y en a combien des herscheurs? Il y en a beaucoup, il me semble, hein, dans le lore. Il y en a 20, un truc du genre. Hein. 14, quelque chose. Il neige à l'intérieur. Ce n'est qu'un détail, chat. ベルト・ジョイスという名の男は1955年にこれを俺に託した。1955年、いや、ネゲントロピーが滅びた年だ。ベルト・ジョイス、リーゼル・アルベルト・アインシュタイン、フレデリカ・ニコラ・テスラ、エマ・プランク、エルヴィン・シュレーディンガー、マルガ、その名前は全部覚えている。覚えることだけが、みんな俺の目の前で天命のバルキリーに殺された。怖がっている、弱い獣のように。Il racontait cette histoire calmement, comme s'il était complètement détaché. Mais le calme n'était qu'une façade pour quelque chose de sombre et bien plus terrible. Negentropie が滅びた。光の見えない暗い夜が訪れるたびに、あの男の夢を見るんだ。血の中に倒れた彼は、その名と律者コアを俺に託した。何度も何度も、最後俺は戻ってきた。彼の名で人類のために戦う約束を果たした。天命を滅ぼすこと、それがあなたの言う人類のために戦うやり方ですか？あなたはネゲントロピーの滅びた歴史を繰り返しただけです。そのやり方はあなたの人生を壊したものと、何、ネゲントロピーの創立者たちがあなたにそんな使命を託すわけがありません。その通りだ。彼らは皆優しい、強い。天命に全てを奪われても憎しみを捨て、理想のために戦える人たちだ。だから対価を払ったんだ。力、場所、理想、ベルトの名を受け継ぐと同時に、俺はあの男のすべてを手に入れた。Oh, damn! Daddy Velt? Daddy? しかし、その名のもと、oh, ouais. 俺というものは何一つ。Lance-moi un regard mauvais comme ça, vas-y. では、なぜ俺が失敗した人の影を演じなければならない。Oh, damn, his heart!Le sang jaillit du corps de cet homme, son corps brisé pouvait à peine contenir ses pouvoirs. Sa voix s'emplit alors d'une émotion soudaine. Une machine de guerre monstrueuse apparut soudainement à côté du Herscheur. Son regard était assombri par une haine folle. Ok, merci. Voilà, quoique, attendez. Ah, c'est ce boss! Je l'ai déjà vu quelque part. Je l'ai déjà affronté peut-être même.J'ai déjà affronté dans l'arène. Ouais, donne-moi les SP. Oh, ça va, boss assez éclaté là.Très éclaté même.
il est trop classe. Le véhicule blindé explosa alors, ne laissant derrière lui qu'une épave de feu. L'onde de choc projeta Velt à terre, brisé et sang. Oh! Étoile écarlate d'Eden flottait au-dessus de la paume de sa main, une vague gravitationnelle déferla sur Bronya. Les Valkyries continua malgré tout. Pourquoi tous les hommes du jeu jouent le rôle du méchant? Des méchants plutôt. Otto et Velt. Ah, Siegfried, c'est vrai. Oui, bon, c'est vrai que c'est qu'un fragment, donc oui. L'orbre tremblant ne répondit pas. On aurait dit qu'elle était à présent inanimée. Mais les mains tordues de la jeune fille l'appelèrent à elle, et il vola alors dans sa direction. Une jeune voix douce lui murmura soudain à l'oreille. エデンの星、大ゼロ帝国出力解放。おでん。プロニャン。やったわ。世界が崩れていく。もうゴールまであと一歩よ。ゼレ、何をすべきかわかるわよね。 いや、そんなの。お姉ちゃんは、ゼレにそんなことしてほしいと思わない。ゼレは、プロニャお姉ちゃんを傷つけたりしない。誰が私たちに力を与えてくれたか、忘れてしまう。私たちの命は、彼の手の中にあるわ。ゼレは、プロニャお姉ちゃんを信じてるもん。プロニャを信じてる。何年過ぎても、あなたは弱いままね。 自分の存在ですら保てないのに、何を頼りにブローニャを守るの？何するの？いや、離して。ゼーレ、あなたの任務は終わったわ。次は私の出番よ。ゼーレ。プロニャお姉ちゃん、ゼーレは会いに来たよ。ゼーレ。confirmé。 Ça me donne quoi là? Ouais, bon, ça encore des trucs pour avoir des armes. Moi je réclame ça. Merci, merci, merci. On a encore beaucoup d'endurance. Il nous reste 3 missions pour terminer ce chapitre. Monde 3. Ok, ok, monde 3, t'as raison. Non, j'ai rien à faire ici. Histoire. Pas besoin de up les persos. On y va comme ça. Hein. Non, ça va, j'ai encore plein d'endurance. On y va! On y va, ゼーレ、よかった。無事だったのですね。はい。ゼーレは大丈夫です。ブローニャ、作戦。おーのー。やっと会えたわね。あれがことわりのリツ社のコアね。こんな形。 あれさえあれば、ゼレはお姉様と外の世界でずっと一緒にいられるわね。
J'imagine que, bon, comme d'habitude, ça doit être exactement la même seiyuu pour les deux personnalités de Sele. Et si c'est le cas, bon, très stylé. Enfin, genre, c'est juste la boss. ゼーレの中にいる。もう一人の彼女よ。もう一人の意味を理解できません。ゼーレはブローニャに返してください。ゼーレを守りたい気持ちはわかるわ。安心して。私たちそれにゼーレを救える方法も知っている。 断りのリツ社のコアを私に渡して。そうしたらブローニャは開演の目を使ってゼーレを連れ戻します。無駄よ。ゼーレはお姉様と違って体が漁師の海と同化したんだから。エクステン実験は彼女に次元を行き来する力を与えてくれたわ。だけど力をコントロールできなくなって、これはあなたも分かっているはずよ。 普通の方法では助けることはできない。でも、心配しないで。どうしてゼーレがここに姿を現せたか、お姉様は気にならない？ゼーレにもわからない。何もない部屋に閉じ込められたことしか覚えていなくて、暗く時間さえも忘れるくらい、その中にいたんだ。でもある日、 急に扉が開いて光が差してきたの。やっと逃げられる。ブローニャお姉ちゃんのところに行けると思って、その後のことはよくわからなくて。答えは、私たちを救った人がいるから。でもそれには代価が必要だった。 Cette voix-là, je l'imagine bien. Enfin, je me suis... Je pense qu'on a déjà pu voir avoir la voix de Sele adulte dans Star Rail. Ou même dans... Je crois que dans Honkai Impact, il n'y a pas une version adulte de Sele. Mais ça doit être le ton que la seiyuu doit prendre pour la version adulte. Pas celle-là. その正体はわからないけど、あそこ漁師の海から出して現実世界に戻すと約束してくれたわ。ただし一つ条件を提示されたの。彼の代わりに断りの律者のコアを見つけ出し、現実と漁師の海を断絶する障壁を排除すること。待ってください。そのような力を持ち、 障壁を排除したいと願うものは、やめてください。あなたは、蛇に協力しているのです。やめる？どうして？彼が私たちを助けた。今私がお姉様の目の前にいるのも、ゼーレが生きていける世界を作ってくれるって。崩壊に脅かされることのない。ゼーレもお姉様も、漁師の海から出るために、あなたを利用しているだけです。 ブローニャお姉様、あそこはあまりにも暗くて寒くて、もう戻りたくない。サーパンコア。他に方法があるのなら、私だって協力したくなかここから出たいの。誰にも邪魔はさせないわ。たとえそれがお姉様でも許さない。 OK Scellé contre scellé. Oh, on se calme. Oh, du calme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce combat. Aïe. Ouais, c'est ça. Soit KO, soit KO. Wouhou. Je sais que je prends beaucoup trop de coups, mais t'inquiète.
Y'a pas des trucs pour heal. Aïe 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 aïe. Bon, il va falloir jouer Bronya. Non. Ordonnez. Ah mais par contre Bronya c'est horrible. Elle esquive absolument pas. Ah et c'est que maintenant que tu m'émets d'huile. Mais Tom, lui plus vite. Stop portail de... Qu'est-ce que t'es naze Bronya. T'es vraiment le pire personnage de ce jeu. Gungnir Fire. Wow. Toi tu fais zéro dégâts. Toi, ma pauvre, tu fais zéro dégâts. Hop, ton stuff au gacha. Mais, bon, le stuff du gacha pour Kana, oui, je suis d'accord. On a pris beaucoup trop de coups. Bon, j'avoue qu'il faudrait que je change les stigmates, les armes, tout ça, vous savez. Mais bon. Ah, j'ai pas infligé 8000... Bon, j'ai envie de les fumer. Oh, Bronya...